les avoir, moi. J'ai pas fait mes pompes. Généralement, on se trouve d'obstacle, c'est quand on n'est plus en train de regarder le mec en face. Du coup, on est dans le stress de dire, putain, je ne sais pas où il est, est-ce qu'il est en avance, en retard, et du coup, on oublie le parcours. Si vous forcez à regarder ce qui se passe en face, vous serez toujours sous une forme de maîtrise, d'accord ? C'est-à-dire, ok, je sais où il est, je sais si je suis en avance, je sais si je suis en retard, je sais combien de fois je l'ai touché, je sais si mon loader ne marche pas, si mon gun, machin et tout. Et du coup, comme je n'ai pas trop de stress, je sais où est l'obstacle suivant, d'accord ? On en voit souvent qu'il faut 1, 2, et hop, vous passez au troisième, alors finalement, vous êtes et repasser de l'autre côté, c'est arrivé des deux côtés, hein, d'accord. Donc pensez-y, restez bien les yeux sur le jeu, regardez ce que fait le mec en face pour savoir est-ce que vous êtes en avance, est-ce que vous êtes en retard. Il y en a qui sont passés deux fois, déjà au bout de la deuxième fois, il commence à y avoir un peu de vis. C'est-à-dire, j'arrive un peu en avance, j'attends que le mec soit dedans, je tire la bille, bam, je pars avant, le mec est en train de glisser, j'ai bien géré mon timing. Le mec est en train de glisser, je tire la bille, on s'en branle, je vais vite au flot, j'ai gagné, je lui mets trois points dans la vue. Plutôt que d'attendre comme ça, le laisser ressortir, rater sa vie, et en plus il va plus vite que toi dans le plot. Tu fais attention, je suis le roi des cons, j'avais 4 secondes d'avance et au final j'ai essayé de le shooter, alors qu'il suffisait que j'aille toucher le plot pour remporter le duel.